Allez les amis, c'est parti, guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo les amis. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben là je pense qu'avec le bilan, certaines personnes quittent des situations. Hein, là, voilà, on profite peut-être pour faire un bilan ben justement peut-être de fin d'année. Et se tourne vers quelque chose de plus agréable, vont s'ouvrir de nouvelles portes, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre sur l'abondance en fait. Donc il y a vraiment cette notion de tourner le dos à des choses dans cette fin d'année et de vous ouvrir de nouvelles portes qui vont être prometteuses quelque part. Moi, pour moi, j'ai cette notion de porte, nouvelle porte qui s'ouvre avec ce tirage les amis. Et une nouvelle porte, et on me dit prometteuse, les amis. On a le retour à la santé et une belle évolution qui vous attend. Donc, il y a des portes là qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent, les amis. Alors, peut-être que c'est dans le domaine de la santé pour certains. Peut-être que vous allez récupérer une belle énergie après être passé par quelque chose de compliqué. Il y a une belle évolution qui vous attend. Et avec la notion de résonance, j'ai l'impression que cette évolution, elle est en lien avec... elle résonne avec qui vous êtes, en fait. Donc, elle est parfaite pour vous. Donc, il y a vraiment cette notion de nouvelle porte qui s'ouvre et qui sera vraiment... agréable, qui sera faite pour vous et qui vous permet de tourner le dos à ce passé ou à cette année, tout simplement. Là, on me dit le bilan sur l'année. Donc, en plus, on est sur les fêtes de fin d'année. Donc, peut-être que certaines personnes font le point de tout ce qui s'est passé durant cette année. Et là, il y a une nouvelle étape qui se franchit avec cette nouvelle année 2024 qui arrive. Vous êtes à une ouverture de porte où les portes vont s'ouvrir sur quelque chose de mieux, dans lequel vous allez soit retrouver une meilleure santé, soit retrouver une notion de quelque chose de mieux hein, pour vous. Voilà, hein, vous avancez vers la lumière, il y a une belle évolution et quelque chose qui est fait pour vous qui arrive. Donc, on est toujours dans ces énergies de nouvelles portes qui s'ouvrent, de nouveaux cycles qui démarrent. En même temps, c'est vraiment en lien avec le début, la fin d'année et le début d'une nouvelle. C'est-à-dire que c'est une nouvelle étape qui s'ouvre à vous, une nouvelle année qui s'ouvre à vous. Et on est en train de me dire, avec l'abondance et la générosité, c'est qu'il y a quand même un nouveau cycle qui s'ouvre à vous et qui sera plus abondant ou qui sera plus agréable ou qui sera plus riche intérieurement. Voilà. Et donc là, vous profitez peut-être pour clôturer aussi peut-être des choses avec l'introspection et la rétrospection et cette nouvelle porte qui s'ouvre. Je pense que c'est un tirage vraiment de fin d'année celui-là, hein, parce qu'on est en train de vous dire que les nouvelles portes qui vont s'ouvrir vont être mieux, quoi, plus riches intérieurement. Voilà ce qui me vient, les amis, et je trouve que ça colle vraiment bien au fait de clôturer une année et d'en ouvrir une autre. Il y a l'intuition, hein, il y a les célébrations et la spiritualité, les amis. Vous êtes guidés vers du mieux avec les célébrations. Donc, peut-être qu'on est en train de vous dire aussi de profiter de ces fêtes de fin d'année pour célébrer aussi tout ce parcours. Peut-être que vous aurez aussi des compréhensions, des déclics, des choses qui vont s'éclairer par rapport au bilan de cette année pour pouvoir passer à cette nouvelle étape. En tout cas, on est en train de vous dire, alors pour certaines personnes, il y a eu aussi durant cette année, mais ça va encore plus être flagrant l'année prochaine, une présence de leur spiritualité dans leur vie plus importante. Voilà ce qu'on est en train de me dire, les amis. Pour d'autres, vous êtes guidés vous êtes guidés parce que j'ai la notion aussi d'ange gardien. Je vais y arriver, les amis. Donc, dans la bonne direction, en fait, les portes vont s'ouvrir et elles sont vraiment... elles vous sont destinées, en fait. Hein. Voilà, attendez-vous à des bonnes nouvelles hein, avec les célébrations. C'est-à-dire que ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir, ces nouvelles possibilités qui vont vous être amenées, vous allez aussi les célébrer. Vous allez retrouver peut-être un équilibre de vie, une meilleure santé, de l'énergie. On voit bien que l'année 2024 va s'ouvrir sur des choses beaucoup mieux, j'ai l'impression avec ce tirage. Et ensuite, j'ai l'impression aussi, je vous dis que certaines personnes vont
prendre conscience de l'importance de la spiritualité dans leur vie, et ça va prendre davantage d'ampleur. Donc là, j'ai vraiment comme si on nous disait que vous ouvrez une porte sur cette nouvelle année 2024 et que ça va être beaucoup plus riche, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup, voilà, et que vous avez vraiment une notion d'ange gardien qui veille à vos côtés, quoi. Voilà ce qui me vient, les amis. Allez, je continue. Donc chouette, hein, ouais, les choses vont s'éclairer, on est en train de me dire au fur et à mesure pour une femme. Donc si vous êtes un homme, ça peut être vous, ça peut être également une femme de votre entourage, de votre famille, de votre foyer. Il y a vraiment la notion d'y voir de plus en plus clair au fur et à mesure. Les choses se dévoilent, s'éclairent, le chemin s'éclaire de plus en plus, hein. Il y a une notion d'enfant, donc ça peut être au sujet d'une famille, d'un foyer, de vos enfants. Ça peut être en lien avec un nouveau cycle qui s'ouvre et qui sera plus joyeux, plus agréable, plus léger, hein, avec la notion d'enfant. Il y a vraiment toute cette notion qui vient avec ce tirage. Il y a vraiment voilà, plus de joie de vivre, et on le voit avec la santé, l'évolution et la résonance, c'est qu'il y a des choses qui vont rentrer dans votre vie quand vous allez franchir cette nouvelle porte qui va s'ouvrir, qui va être plus joyeuse, qui va être plus légère, qui va être plus agréable tout simplement. Donc c'est un super tirage celui-là. Je l'aime bien parce que là dernièrement il y avait quand même beaucoup de parts d'ombre, de blessures, de choses comme ça. Peut-être que vous êtes passé cette fin d'année par des remontées de choses négatives pour vous en libérer également, pourquoi pas. On nous parle de 1 à 3 mois, donc j'aurais tendance à dire que la porte, elle va peut-être s'ouvrir fin d'année et que d'ici 3 mois, le premier trimestre 2024, les choses vont commencer à se matérialiser. On vous dit peut-être de garder aussi pour vous certaines choses pour le moment, ou que des choses qui ne sont pas encore révélées vont se révéler. C'est peut-être ça aussi, cette ouverture de porte. En tout cas, voilà, bah, on a les plaisirs, hein, les plaisirs et le retour des communications. Alors peut-être que certaines communications ne sont pas arrivées jusqu'à vous, hein, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, mais il va y avoir des communications qui vont vous faire vraiment très très plaisir, les amis. Il y a vraiment une notion d'ouverture de nouveaux cycles, de nouvelles portes qui vraiment sont géniales, quoi. Et on a encore cette notion de plaisir très fort, de se sentir exister, de se sentir vibrer, de se sentir appelé dans des choses, d'avoir un regain d'énergie. Donc je vous dis, des portes vont s'ouvrir sur 2024 et ça va être plutôt sympa. D'après ce tirage, c'est vraiment de jolies énergies qui vous attendent. Et les choses vont se dévoiler au fur et à mesure, les amis. Vous allez progressivement vous détacher de ces périodes de stagnation, hein, de compliquées, hein. On a le détachement du foyer, c'est encore venu. Je les mélange, les amis. Elles sont venues, je ne sais pas quand, les mêmes, hein. Enfin non, ce n'était pas les souvenirs, mais c'était exactement les mêmes. On vous dit que vous allez pouvoir vous détacher d'une période d'échec, d'un passé où vous avez encore beaucoup, beaucoup de nostalgie en lien avec votre foyer, ou qui vous a apporté quelque chose au niveau de votre foyer ou de votre intérieur, de votre âme, hein. Il y a eu des choses où vous avez eu du mal à vous détacher. Là, je le ressens vraiment comme des échecs que vous avez des choses que vous avez considérées comme des échecs qui appartiennent au passé, mais qui étaient encore rattachés à vous. Et là, on voit que vous tournez vraiment cette page en fin d'année. C'est peut-être ce bilan qui vous aide à tourner cette page. Et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qui vous permettra de connaître quelque chose de beaucoup plus enrichissant, de beaucoup plus vibrant. Vous tournez le dos à ce passé, donc vous fermez cette parenthèse de cette année 2023, les amis, et vous allez vers quelque chose de bien mieux. On le voit clairement, hein, dans les énergies. Vous tournez le dos, vous clôturez cette fin d'année, vous laissez derrière vous tout ce qui est en lien avec le passé, les sentiments d'échec, ces nostalgies, ces blessures, ces ombres qui peut-être en fin d'année sont remontées à la surface pour finir de vous en libérer, et vous démarrez une nouvelle année justement qui va vous ouvrir les portes d'un chemin plus lumineux, les amis. Allez, je termine avec le tarot, les amis, pour cette guidance. On nous parle de choses qui étaient bloquées, hein. Je pense que c'est les choses qui sont bloquées aujourd'hui me viennent comme le fait de faire un petit bilan, une petite introspection de fin d'année, pour laisser partir cette année 2023
et vous laisser guider vers cette ouverture de porte pour l'année 2024. On a les choses plus agréables avec la notion de stabilisation de ses émotions, de rencontre de personnes qui sont bienveillantes. C'est peut-être vous-même hein, qui êtes dans ces énergies de bienveillance, de générosité, de choses agréables. J'ai l'impression que sur ce chemin plus abondant, vous aurez des personnes aussi plus abondantes avec vous. Et moi, pour moi, vous coupez avec cette année 2023. Vous coupez avec ces énergies qui sont justement pas bienveillantes. Et vous vous focalisez sur l'ouverture de cette porte qui arrive et qui sera voilà, bien plus agréable, bien plus douce, bien plus harmonieuse. Je vais y arriver. Il y a la fin des blocages aussi. C'est-à-dire que peut-être que certaines personnes ont été bloquées pendant longtemps, voyez, ou alors ont été dans un combat intérieur-extérieur. Là, on voit que vous clôturez en fait cette année. Si vous ressentez encore ces énergies, vous les laissez en 2023 pour aller dans la direction de 2024 qui sera plus doux et agréable. Voilà ce qui me vient, les amis. Et sur ce chemin, je vous dis, vous aurez aussi le soutien, l'arrivée de nouvelles personnes qui seront dans ces mêmes vibrations. Donc, avec lesquelles ce sera beaucoup plus enrichissant. Et vous allez tourner le dos à cette année 2023 qui peut-être pour certains n'a pas été si simple que ça par rapport aux énergies qu'on voit. Il y a aussi sur cette année 2024 cette porte qui s'ouvre un apaisement émotionnel pour certains. C'est-à-dire que vous allez peut-être moins ressentir la phase de haut et de bas. Peut-être que certaines personnes ont été déstabilisées durant 2023 ou ont connu des choses compliquées qui émotionnellement est venu les chercher, donc vous a fait peut-être passer par des phases de haut et de bas. On vous dit qu'en 2024, ça se stabilise tout ça. Allez, je termine par une petite carte de mon oracle où on nous parle d'élévation spirituelle, les amis. J'ai l'impression que cette nouvelle année 2024 est prometteuse et que vous êtes guidé également à travers cette nouvelle porte vers une élévation spirituelle. Je pense que certaines personnes vont avoir une connexion avec leur spiritualité, je vous disais tout à l'heure, plus importante encore, que les portes qui s'ouvrent, c'est aussi en lien avec cette évolution. Et que voilà, donc il nous tarde que cette nouvelle porte elle s'ouvre et qu'on passe cette année 2024 de façon peut-être plus agréable que ce que nous venons de traverser sur cette année 2023. Je vous souhaite à tous et à toutes vraiment de passer de très très belles fêtes de fin d'année, les amis. Surtout prenez soin de vous. Profitez pour peut-être finir de laisser en 2023 ce qui appartient, ce qui lui appartient, et vraiment vous ouvrir à une nouvelle dimension, une nouvelle étape de vie. Voilà, laissez la vie vous apporter aussi des choses sympathiques. Et voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye!